saison collectivement? Ouais, un début de saison un peu compliqué. Voilà, je pense que maintenant il n'y a que 3 matchs. Il faut qu'on continue à bosser pour prendre le plus de points possible et le plus rapidement possible. On sait qu'on est capable de mieux faire et on doit mieux faire. Donc on travaille au quotidien beaucoup plus pour prendre ces points-là. Justement, est-ce qu'il devient urgent de prendre des points et de prendre surtout cette première victoire? Urgence, c'est un grand mot. Dans tous les cas, nous, on a envie de prendre le plus de points à chaque fois et le plus rapidement possible. Comme je l'ai dit, il n'y a eu que 3 matchs. Maintenant, on est conscient qu'on a besoin de ce petit déclic, cette petite victoire qui va nous permettre de vraiment commencer cette saison. C'est important de rester positif dans ces moments-là. T'as pas de le répéter, il n'y a que 3 matchs. Il n'y avait pas eu beaucoup de changements à l'intersaison, mais il faut garder le moral de se dire que ça va finir par tourner. Bien sûr, bien sûr. Voilà, on est conscient de nos qualités. On sait qu'on est capable de faire beaucoup mieux et on sait qu'on va le faire aussi. Donc maintenant, il ne faut pas non plus, tirer directement l'alarme. Mais comme j'ai dit, voilà, il faut prendre conscience qu'on a besoin de ce match-là, ce match référence pour voilà, commencer cette saison et prendre le plus de points possible sur le plus de matchs possible. Depuis 3 ans, Montpellier a des très hauts et des très bas. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut que vous soyez un petit peu en état d'urgence et d'avoir le feu aux fesses pour réagir? Le but, c'est pas d'avoir chaud aux fesses non plus. Je pense pas que c'est une situation que tout le monde aime, que ce soit dans ce club ou dans un autre club. Donc non, comme j'ai dit, il faut faire beaucoup plus, que ce soit individuellement ou collectivement. Et je pense que ça va le faire, parce que comme je l'ai dit encore une fois, on a un très bon groupe de qualité, que ce soit avec les anciens et même les jeunes qui montent avec nous, qui sont, je trouve, d'un bon niveau. Bonjour Arnaud, comment t'as suivi un peu l'été du club? Il y a eu beaucoup de débats autour du président, autour de l'argent du club. Toi, comment tu le vois en tant que joueur, même le groupe, comment vous voyez un peu tout ça? Est-ce que vous avez vraiment suivi tous les débats du président avec les droits télé, etc.? On a suivi le débat en général dans le foot français, forcément. Maintenant, nous, on peut, en tant qu'acteur, on peut rien faire. Donc on est un peu comme vous, on suit par médias interposés et on sait que voilà, le foot français a du mal financièrement. On sait que c'est un peu tous les clubs comme ça. Maintenant nous on est concentrés sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Puis c'est le plus important, ce genre d'affaires je les laisse à tous les présidents de club et tous ceux qui s'occupent vraiment de ça. Justement, l'été a été très agité à ce niveau, au niveau des droits télé, mais aussi le mercato qui s'est pas fait à Montpellier. Est-ce que tu as l'impression que ça a eu un impact sur le vestiaire? Et est-ce que vous êtes senti touché? Est-ce que ça a influé sur le rendement de l'équipe? Non, sur le rendement par rapport à quoi? Comme je vous l'ai dit, il n'y a eu que 3 matchs. Donc tirer direct une conclusion, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Il faut quand même plus de temps. Comme j'ai dit, nous, le groupe, on est focalisé sur le terrain. Là, on est content d'accueillir Birama, que je connais un petit peu. Et forcément, il va nous faire du bien, comme tout autre joueur qui vient maintenant. On ne fait pas attention à ça, nous on est concentrés et puis c'est des choses que le coach et le président, le staff technique gère. Est-ce que ça peut être davantage de notre côté le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de recrues, les automatismes vous les avez déjà, ou est-ce que ça fait toujours du bien qu'il y ait une ou deux recrues quand même, ou un peu plus pour régénérer le groupe? C'est sûr qu'il y a des bons côtés aussi. Voilà, on se connaît maintenant, ça fait maintenant depuis... Certains, ça fait déjà 5-6 ans qu'ils jouent. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Donc, c'est sûr que c'est plus simple pour créer des automatismes. Après, ça serait mentir de dire que des renforts font pas du bien. C'est sûr que des renforts font du bien. Maintenant, on est content avec ce groupe-là. C'est un groupe qui vit bien, on s'entend très bien. Et c'est justement ça qu'on a envie de faire ressentir aux supporters et à tout le monde autour. Que voilà, c'est un groupe qui vit bien, qui est solidaire et qui a envie justement de gagner le maximum de matchs.
tu l'as dit, ça fait 3 ans que tu es là. Est-ce que tu n'as pas envie aussi de vivre une saison un peu plus sereine, sans justement avoir chaud aux fesses toutes les semaines, se dire « Allez, on joue encore le maintien », de vivre une saison avec peut-être d'autres ambitions où vous pouvez aussi peut-être vous montrer différemment? Moi, je pense que c'est tous les joueurs. Hein. Il y a tout le monde, même ceux qui sont là depuis 5, 6, 10 ans. Je pense qu'on est tous des compétiteurs. On a tous envie de jouer le plus haut possible. Voilà, on sait que maintenant la Ligue 1, ça reste un championnat quand même très compliqué avec beaucoup de bonnes équipes. Mais voilà, c'est à nous de faire le maximum chaque week-end pour après espérer grappiller le maximum de places possible. Tu l'as dit, ça fait 3 ans que tu es là. Il y a eu plusieurs fois des rumeurs l'été comme quoi tu allais partir. Tu es en fin de contrat, je crois, au mois de juin prochain. Toi, est-ce que tu attends quelque chose du club? Est-ce que tu as envie de rester? Est-ce que tu aimerais bien te un peu récompenser justement de tes saisons avec le club ou... Bon, pour l'instant, je me prends pas la tête. Moi, j'ai des matchs à faire. On a un objectif commun avec le club. Ça reste une grande et belle année pour le club, les 50 ans. Donc, je pense que c'est pas des questions que je me pose et on verra au fur et à mesure de la saison. Est-ce que tu as eu quand même des contacts durant cet été? Et est-ce que tu as failli partir de Montpellier? Ça, c'est la première chose. Et est-ce que c'est pas un peu frustrant justement de rester à Montpellier si jamais tu as failli partir? Frustrant par rapport à quoi? Ouais, par rapport à un possible départ. Non, comme je dis, moi je me suis toujours bien senti dans le club. J'ai une très belle relation, que ce soit avec mes coéquipiers, le coach, le président. Donc frustré, non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est vraiment un club qui m'a vraiment permis de m'exprimer. Donc non, pas de frustration. Enfin... est-ce que tu as regardé les Jeux Olympiques, enfin, notamment la Coupe du Foot? Parce qu'on sait qu'avec TJ, bon, vous étiez de la précédente, bon, ça avait été compliqué. Bon, là, est-ce que tu as regardé ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a... dans ta tête qui... Non, c'est vrai. Et puis j'étais, bah, surtout qu'il y avait Joris. Donc j'étais super content. Il a ramené la médaille, dans le vestiaire. Donc j'ai pu l'avoir. Malheureusement, j'en ai pas gagné une. C'est comme ça, c'est pas grave. Ça, c'est resté quand même une très belle expérience de vie. Je pense peut-être la plus belle, parce que voilà, c'est des choses qu'on regarde depuis qu'on est tout petit. Mais c'est vrai que je suis très content pour que l'équipe de France ait ramené une médaille. J'aurais préféré que ça soit l'or, mais bon, c'est déjà bien et c'est déjà mieux que nous d'avoir ramené une médaille, donc je suis très content pour eux. T'as l'impression d'aborder une saison charnière un petit peu, justement t'es en fin de contrat. T'as 27 ans. 26. Non, tout simplement parce que chaque saison, quand je viens ici, on me demande à chaque fois est-ce que c'est une saison charnière. Depuis que je joue, à chaque fois l'année précédente, on me demande est-ce que c'est une saison charnière. C'est tout le temps la même question. Donc non, moi j'ai à cœur de faire une bonne saison, d'être, j'espère, le plus décisif pour l'équipe, montrer mes qualités. Et comme je l'ai dit, le plus important, c'est de gagner le plus de matchs. Je pense que si on se met tous au niveau, on fera une belle saison. Et après, advienne que pourra. T'as l'impression d'avoir passé un cap en termes justement d'efficacité, d'être plus précis et présent devant le but? Oui, c'est des choses que je travaille. Je travaille tout le temps à l'entraînement. Je pense que c'est important de se diversifier, comme j'ai déjà pu le dire, d'avoir une palette assez grande pour pouvoir marquer ou faire marquer. Donc c'est vrai que j'ai à cœur, comme pour tout attaquant, de marquer et faire marquer.